Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, quatrième épisode de notre série sur Creativeverse. Je fais en sorte que vous ne voyez pas ma maison, puisque regardez les amis, abracadabra, vous allez la voir dans quelques instants. Je l'ai terminé en tout cas pour la construction de la structure. C'est juste derrière moi, attention, 3, 2, 1, boum! Voici la maison. Alors d'ailleurs, voici le commentaire du jour, Maxi Clem, big up à toi, merci pour ton commentaire et merci à tous pour vos commentaires puisque vous m'avez beaucoup aidé en off puisque j'ai terminé en fait les fondations de la maison et vous m'avez appris, il y avait même un commentaire anglais, donc big up à toi, pour faire les coins et aussi pour rotationner des blocs. Regardez, c'est un truc de ouf, on peut même rotationner l'herbe, regardez, on peut faire ça si on veut. Voilà, ça n'a absolument aucun sens, mais si on veut le faire, on peut le faire et je trouve ça complètement ouf. Alors je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait. Donc déjà au niveau du toit, bah, je l'ai bien terminé comme il faut avec du coup les coins comme vous m'avez expliqué en commentaire comment ça fonctionne. Donc en fait il suffisait de placer les stone roof que vous voyez juste ici dans l'inventaire. Il suffisait de les placer dans le processeur et puis on pouvait faire du coup des stone roof inner corner par exemple. Et pareil les rotationner comme on voulait. Par contre vous faites quoi les mecs là-haut là? Attendez, dégagez là, hein. Vous avez rien à foutre là, ça dégage. Hop. Du coup je vais vous montrer un peu l'intérieur, j'ai un petit peu changé ma façon de voir les choses. En fait la porte d'entrée elle est ici, au final c'est beaucoup mieux, vous allez comprendre pourquoi. Alors j'ai eu un petit freeze, voilà donc, ça je sais toujours pas ce que c'est j'imagine, donc du coup on va considérer que ça c'est un paillasson. Donc la porte d'entrée elle est ici, et ici en fait on aura une terrasse, en gros, casse-toi. Ici on aura une terrasse donc avec des barrières et tout, et peut-être des plantations, à voir un petit peu ce qu'on va faire. Mais en gros ça va être une petite terrasse assez sympa. Là on a une grande baie vitrée. Enfin du coup on va mettre des vitres dans cet épisode. On va faire la décoration dans cet épisode. Mais ici on a une baie vitrée sur le biome Mesa. Ici une vitre large vers le petit lac gelé, puisque là-bas il y a de la neige, on le voit pas. Et ici donc des petites fenêtres évidemment pour faire de la lumière. Autre chose, alors j'ai un petit projet aussi parce qu'au final du coup on va pas pouvoir faire un étage supplémentaire au-dessus. Du coup ce qu'on fera c'est qu'on fera un sous-sol. On fera un sous-sol qui sera très beau, hein, bien évidemment, ce sera pas genre juste souterrain bizarre. On va faire un sous-sol qui sera beau, et ce sera dans ce sous-sol qu'on mettra un lit, enfin qu'on fera la chambre. Parce qu'en fait ici, bah c'est sympa, mais je ne me vois pas dormir ici avec les baies vitrées, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie que ce soit safe, et donc en fait on fera un escalier vers le bas, là je pense vers là-bas, enfin vers ici. Un escalier vers le bas qui descendra vers une chambre. Et ça va être assez sympa. Donc voilà, au niveau du projet de la maison. Et donc dans cet épisode, on va s'attaquer à la décoration du coup. On a pas mal de choses à faire. J'ai fait en off du coupage de bois. Regardez, j'ai 112 bûches. J'ai récupéré de la mousse. Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré donc un peu de stone forcément pour faire les stone roof. Et puis voilà, grosso modo, ça n'a pas bougé sinon pour le reste. Ah si, juste aussi, je peux vous montrer que là, on a une caverne qui est safe. Alors attendez, elle est où? Elle est là. Ici, c'est une caverne qui est safe. Regardez, en fait, c'est un cul-de-sac. Donc je suis allé là pour miner la stone. On voit pas grand chose mais voilà c'est un cul-de-sac. Donc il n'y a pas de méchant, il n'y a rien. Donc ici on peut miner de la stone tranquillement. Du coup on va s'attaquer aujourd'hui à la décoration. Donc tout ce qui est, tout ce qui est table, chaise, mobilier quoi. Et tout ce qui est vitre. Donc pour ça d'ailleurs, pour faire des vitres, on va regarder de nouveau les crafts. Mais il me semble qu'il faut de la glace. Alors attendez, on va juste regarder. Alors attendez, glace. Non c'est pas comme ça. Comment on dit vitre? Oh je sais plus. Je sais plus comment on dit fenêtre. Ah, window. C'est bon, j'ai trouvé. Alors, on peut faire soit des stone window, soit des wood window. Dans tous les cas, il nous faut de la glace. Et la glace, c'est dans la forge. Donc, il faut récupérer donc de la glace. Enfin, de la glace de la neige, quoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir par là-bas. Et on va... Parce qu'il y a de la neige. Donc, on va aller chercher de la glace qu'on va pouvoir, du coup, faire fondre dans la forge. Et donc, ça va nous faire des glaces, quoi. C'est bizarre parce qu'on parle de glace à la française et en fait glace en anglais ça veut dire vitre. Du coup là je parle de la glace pour faire des fenêtres en gros, pour faire des vitres. Donc là on voit déjà de la glace là-bas. Donc on va en chercher tranquillement. Puis pourquoi pas prendre de la neige aussi tant qu'on y est. Ça pourra toujours servir. Du coup je sais pas si dans cet épisode on va faire le sous-sol. En tout cas je pense qu'on va commencer le sous-sol dans cet épisode. Mais ce genre de truc c'est les choses que je vais faire en off. Donc dans le prochain épisode la maison sera totalement terminée. Il manquera peut-être encore des lumières, je sais pas, à voir. Alors on va récupérer de la snow. Voilà, ça peut toujours servir. Vous voyez, on peut faire des escaliers en neige. On vient de découvrir un nouveau craft. Donc on va en récupérer. Sait-on jamais, ça pourra toujours servir. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de glace. J'avais cru qu'il y avait de la glace, mais c'est de la neige, ça. Hein. Ouais, c'est de la neige. Alors, ah bah si, il y a de la glace, c'est bon. Juste en dessous, il y a de la glace. Donc on récupère, nickel. On récupère la glace, c'est parfait.
et en même temps on récupère de la neige et ça c'est vraiment cool. Donc là on va en prendre vraiment pas mal histoire qu'on se mette bien, donc là on fait vraiment un tracé tout moche mais voilà, c'est vraiment histoire qu'on ait un maximum de glace et qu'on se mette bien. Ah ça, ça va être pratique, on peut se poser sur la terre. Récupérons tout ça, voilà. Ah attendez, il y a un truc qui est marrant, c'est que si je me mets là, regardez, j'ai froid, et si je me mets là, j'ai pas froid. Voilà, ça c'est marrant. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. On a combien de glace? On en a 27, hein, il me semble. 27. Allez, on va dire ça suffit. On va dire ça va suffire, de toute façon, pour les vitres qu'on va mettre. Alors, je me suis renseigné, les amis. Je suis vraiment hype de ouf. On va pouvoir faire, comme sur Minecraft, des systèmes redstone. Ça, c'est un truc qui m'intéresse vraiment pas mal. Alors, c'est pas de la redstone, ça n'a rien à voir. Mais, en gros, faire des mécaniques, comme donc sur Minecraft. J'ai vraiment hâte de faire ça. En fait, faut crafter. Alors, attendez, il me semble que c'est où? Alors, attendez, c'est ça, voilà. Faut commencer par crafter un wiring tool. Je sais pas comment on prononce. Et à partir de ça, ça va nous débloquer plein de crafts. On va pouvoir avoir des leviers, des plaques de pression et pouvoir, par exemple, allumer des lumières grâce à des systèmes de liaison. Bah, comme du courant, quoi, un peu en wifi. Enfin, bref, c'est un truc de ouf. C'est comme de la redstone sur Minecraft, mais en version moderne. En version sophistiquée, quoi, hein, clairement. Donc c'est vraiment cool. Les lumières, alors les torches, on va enlever les torches, on va mettre d'autres lumières. On peut mettre quoi comme lumière? Alors attendez, lightning. On a des arctic torches, alors pour ça il faut des arc stone. Et il me semble que c'est ce que vous m'avez expliqué en commentaire, c'est justement le truc qui brille en haut sur les points cardinaux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sans ça? Là on peut faire des blue lamps, alors pour ça il faut des blue pigments. D'accord, ah mais c'est avec des fleurs, donc ça on peut faire. On peut faire ça. On peut faire ça. Ou là des wood burning lamps, ça c'est les meilleurs. Ça c'est les meilleurs, enfin c'est les meilleurs. Ça peut être très sympa aussi d'aller blue lamp. Écoutez, on va voir tout ça, on a tout ce qu'il faut de toute façon. Donc on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, donc on est bien d'accord, on va dans la forge. Et si je mets de la glace, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je ne peux pas, je me suis trompé. Comment ça se fait qu'on peut pas? Use to craft. Ah alors attendez, il faut peut-être mettre là-dedans en fait. Non. Ah, coup dur. Coup dur pour le joueur. Ah, est-ce que je me suis trompé? Oui, totalement. Je me suis trompé. Comment on fait? Oh, non. Attendez, je me suis trompé. Je pensais que c'était avec... c'est avec du sable, alors. Ah, c'est peut-être... C'est avec du sable. Attendez. Attendez, pas de panique. M'insultez pas. Mais non, j'ai pas de sable sur moi. Je crois que c'est avec le sable, en fait. J'ai dit des bêtises, attendez. Excusez-moi, j'ai dit des bêtises. En fait, on n'a jamais récupéré de sable. Et j'avais toujours cru qu'on en avait récupéré. J'ai dit des bêtises, voilà, j'ai récupéré de la glace pour rien, mais c'est pas grave. Hein. Au moins, on en a et ça pourra toujours servir. Donc ouais, c'est bien avec du sable qu'on fait de la glace. Je suis vraiment teubé. Hein. Excusez-moi, je suis pas l'un des meilleurs. Donc, hop, voilà, c'est bien ça. C'est pas grave, hein, tant mieux. Au moins, on a de la glace et puis voilà. La glace gelée, hein, je parle bien. Hein. Pas la glace à l'anglaise. C'est vrai que c'est assez compliqué. Encore une fois, c'est assez perturbant. Glace, ça veut dire plusieurs choses. En français, en anglais. Du coup, voilà. Bon, on a fait ça pour rien, c'est pas grave. Comment on fait un téléporteur? Attendez, j'ai envie qu'on fasse un téléporteur déjà, là. Si on peut le faire, bien évidemment. Le téléporteur, il est où? Oh, c'est quoi ça? Small capture block. Je sais pas où est le téléporteur. Attends, on va le chercher ici. Téléporteur. Ah, il faut de la magnétite et de l'obsidienne. Faudra qu'on mine. Hein. Dans le prochain épisode, on ira miner, très sérieusement. Parce qu'on pourra pas avancer sinon. Hein. On pourra même pas crafter la majorité des trucs qu'on voudrait faire. Alors, comment on fait donc des windows? Alors, on peut les faire en bois. Bah, on va les faire en bois. Hein. Voilà, déjà, on va voir à quoi ça ressemble. Hop, on va voir. Est-ce que ça rendra bien? Déjà, j'ai envie de commencer par la baie vitrée. Vous avez vu, j'ai fait un truc comme ça. Alors, attendez. Ouais, c'est en bois qu'il faut faire. Clairement, ce sera la meilleure chose à faire. Donc là, ouais, il nous faut pas mal de glace. Hein. Par contre, c'est pas la glace qu'il me faut, c'est des wood rods. Alors, les wood rods, heureusement, j'ai coupé du bois. Donc, on va s'en faire. Et en attendant, je vais récupérer pas mal de sable, du coup, parce que sinon, ça nous suffira quand même pas. Du coup, voilà. Bref, j'espère que vous êtes tous très bien. J'espère en tout cas que la série vous plaît toujours autant. Clairement, on va se faire plaisir. Hein. Que ce soit au niveau cultivation, hein, on va faire des champs de culture. On va faire des petits systèmes de mécanique. Et puis du build et de la découverte, du minage, de la découverte de créatures, etc. On a beaucoup de choses à faire. Donc croyez-moi, on va passer pas mal de temps sur le jeu. Encore une fois, j'ai pas dit que la série allait durer 50 épisodes. Mais en tout cas, on va s'amuser pendant un bon petit moment. Et je pense suffisamment longtemps. Évidemment,
le jour où la série sera terminée, ça fera toujours un petit peu chier, c'est normal. Mais voilà, c'est comme ça. Hop, on crafte tout ça, on attend que la glace fonde. On continue de crafter des vitres et on va les placer tranquillement. Et puis on va bientôt s'installer d'ailleurs dans cette maison parce que à force de faire des allers-retours, c'est un peu chiant. Non, là j'ai fait une bêtise. Alors, est-ce qu'on arrive à relier ensemble? Ouais, ça fonctionne. Ah, là ça se relie pas. Alors, il me semble que qu'il faut qu'on fasse comme ça. Ouais. On va vraiment faire en sorte qu'il se relie. Et donc là, on a une belle petite baie vitrée. C'est vraiment sympa. Ok, nickel. Là, on place les deux vitres ici. Ah ouais, ah non, alors attendez, je vais pas les casser parce que je vais exprès les rotationner du coup. Je vais m'entraîner avec ce truc, regardez, hop. C'est quand même bien pratique. Oh là là, et c'est fantastique, hein. Merci en tout cas pour vos astuces en commentaire. C'est ça ce qui me plaît aussi avec cette série, c'est la proximité qu'on a, vous et moi. Entre chaque épisode, je regarde vos commentaires et du coup vous m'aidez. Donc forcément, bah, on avance ensemble et ça me permet de faire des merveilles. Donc c'est vraiment cool, merci à tous hein, pour vos commentaires. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des francophones mais aussi des anglophones, hein, donc big up. Ça fait vraiment très plaisir. Alors, on va faire encore les fenêtres par ici. Je sais pas si j'en aurai assez. Mais tout de même, ouais, si on en aura assez, c'est bon, c'est nickel. Hop. Et bah c'est tout en fait, on a fait toutes les vitres. Voilà, j'en ai un petit peu plus que ce qu'il en faut, mais c'est pas mal. Alors, les lumières, comment on les craft de nouveau? On peut faire donc là des wood burning lamp. Je les aime bien, mais pourquoi pas des colorés, ça peut être sympa. Hein. Attendez. On va voir, soit du bleu, soit du jaune, soit du rouge. Qu'est-ce qui collerait le mieux ici? Ah non, mais c'est une maison en bois. Eh ben, vous savez quoi? Ce sera pour le sous-sol qu'on mettra des lumières de couleur pour que ça fasse un peu chill. Vous voyez ce que je veux dire? Un mélange de rouge et de bleu, ça peut être bien sympa. Donc là, on va juste faire des lampes classiques. Donc pour ça, on va refaire des glaces, parce que je crois que j'en ai plus. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut? Du charbon et de la wood rod. Par contre, le charbon, on n'en a pas. Le charbon, on n'en a pas. Donc on n'a pas le choix de miner. Et ça m'embête un peu. Le charbon, on le récupère avec normalement un process... Non, avec un extracteur. Donc déjà, on va crafter ça. Et ouais, bah va falloir les miner, les potes. Hein, y a pas le choix. Y a pas le choix, faut qu'on aille vite fait miner. On va faire ça très rapidement. J'espère qu'il n'y a pas de monstre. J'espère juste tomber sur du charbon rapidement. Oh là, oh là. Quel échec. Alors là, j'ai failli mourir n'importe comment. Alors attendez, est-ce que j'ai des blocs sur moi? Qui vont pouvoir m'être utiles pour remonter. J'ai pas envie d'user des blocs là, genre. Bon, tant pis, je prendrai des wood walls, c'est pas grave. Mais je crois que c'est un cul-de-sac. Ah non, ça continue. Là, y'a du charbon, c'est bon. Y'a du charbon, les mecs. Alors là, c'est peut-être pas safe, mais c'est pas grave. Donc là, on a du charbon. Alors, l'extracteur, il est où? Il est là. Hop! Et on va l'extraire. Ah bah, ça va. Je suis content, finalement, ça a été rapide. Rapide et puis il y a pas de monstre donc c'est assez sympa. Oh là, regardez la grande faille. Oh, on a vraiment de quoi explorer à proximité de notre maison hein. Et ça fait plaisir. Oh. Alors je sais pas si sur YouTube ça se verra bien mais ça a l'air tellement profond. Même moi je vois pas grand chose mais ça me plaît. Ça me plaît. Hop, alors comment on craft? Attendez, j'ai entendu un monstre. J'ai cru entendre un monstre. Moi je veux crafter du coup, c'est quoi? C'est des lights, c'est ça là? Il nous faut deux charbons, c'est bon, ça suffit. Ok, donc j'ai ce qu'il me faut, mais on va attendre que l'extraction soit terminée, parce que ça pourra toujours servir. Et puis je vais continuer de progresser un peu dans la mine, tant qu'on y est, histoire de torcher un peu. Attendez. Attendez. Pas de panique. Voilà, allez, dégage, ça c'est fait. Eh, il m'a un peu fait peur, hein, j'avoue, ça m'a surpris. Je suis pas le mec le plus serein hein, dans ce genre de... D'accord. Ah, de la magnétite, attends, on va récupérer, ça va nous débloquer des crafts peut-être. Hop, voilà, on récupère les nouveaux blocs qu'on a encore jamais vus. Là, il y a encore du charbon qu'on pourra extraire. Ok, nickel. Bon, on a de quoi faire dans cette mine, clairement. C'est la mine qu'on va explorer dans le prochain épisode, je vous le dis. Ok, on ressort. On va éviter juste de se casser la gueule, on va faire un escalier, c'est quoi? Parce qu'il y a un trou juste en dessous, j'ai pas envie de tenter le diable. Voilà. Et voilà. Oh là là, ça m'a fait un peu peur quand même, hein. Salut, ça va? Ça m'a fait un petit peu peur. Alors, les amis, on récupère la glace, on récupère les wood rods, et maintenant on peut faire des petites lampes. Par contre, il me refaut des stone rods. Eh bah dis donc, il nous faudra toujours des trucs. Alors attendez, heureusement que nous avons ce qu'il nous faut. Et on va déjà pouvoir placer, on a combien de lampes là sur nous? On en a 4. En vrai, 4 ça suffit. Hein. 4 ça suffit pour le rez-de-chaussée là, enfin pour la salle principale quoi. Donc regardez, je vais enlever toutes les torches et vous allez voir comme ça éclaire de fou. C'est impressionnant.
C'est impressionnant, vous allez voir. On enlève tout, hein. Vraiment, le but du jeu, c'est qu'il fasse tout sombre. Et vous allez voir, c'est vraiment sympa. Hop. Et moi, j'imagine déjà la chambre qui va être juste en dessous. J'ai vraiment très hâte. Voilà, encore quelques petites torches. Et là, il fait tout sombre. Voilà. Là, il fait tout sombre. Et regardez, je vais mettre une lampe ici. Hop. Et là, la lumière fut. Alors, on va peut-être pas les placer ici. On va peut-être les placer... Oula, les frises. Ici. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, attendez. Là. On va essayer de faire ça stratégiquement, quand même. Histoire qu'il n'y ait pas non plus trop de lumière, mais qu'il y en ait suffisamment. Donc, du coup, il en faudrait un dans le coin, là, comme ça. Voilà. Là, stratégiquement. Après... En vrai, ici, ce serait peut-être mieux. Ouais, là, ça éclaire plus. Là, c'est un peu plus sympa. Voilà. Alors, c'est pas spécialement beau, je vous l'accorde. On va évidemment peaufiner tout ça, hein, avec des meubles et tout. On va rendre ça bien. Peut-être que ça, si on peut le tourner d'une certaine façon... Eh, bah, regardez! Est-ce que c'est pas plus joli dans ce sens? Regardez, on croirait un petit meuble. Mais et un truc de ouf! Regardez, c'est vraiment un meuble. Là, j'aime pas trop. Donc, ce que je fais, c'est que je vais le tourner à l'envers. Voilà. Et là, ça nous fait un petit meuble. Sympa, hein? En vrai, là par contre j'aime bien dans ce sens comme ça. Là ça me plaît pas donc. Non, je vais pas le casser, je me suis trompé. Attendez, ah bah voilà c'est bon, il s'est mis dans le sens que je voulais. Et bah voilà, et bah on est plutôt pas mal. Du coup, bah j'ai envie de voir tout de suite pour les lampes de couleur, si on peut les faire comme ça au moins je saurais. Est-ce que, j'imagine en mettant des fleurs peut-être. Non j'ai pas de fleurs. Là ça par exemple, voilà ça fait des red pigments. Vous avez vu, les fleurs rouges. Bah vas-y fais moi. Et il me semble que j'ai des fleurs bleues aussi, non? Non, j'ai pas récupéré de fleurs bleues, malheureusement. Là, j'ai des fleurs rouges encore, là aussi. Alors, on va en faire d'autres. Voilà. Je pense que ça va servir à d'autres choses également. C'est assez sympa. On va remettre dans le coffre. Écoutez, on va mettre quelques petits trucs dans le coffre. Là, on a de la laitue, du coup. Hein. On va pouvoir faire des plantations et tout. C'est vraiment cool. On va se faire plaisir, bordel, durant cette série. C'est incroyable. Alors, on récupère. On attend que ça se finisse. Voilà. Et normalement, on peut crafter, du coup. Voilà, des raies de lampes. Nickel, alors je vais pas en crafter plus pour le moment, ça suffit 4. Et on se fera une chambre au sous-sol. Bon, d'abord on va aménager la maison comme il se doit. Donc avec, regardez, on va aller dans la catégorie build, ce sera plus simple. Alors, le lit on l'a déjà. Des wood chairs, pour ça il faut des wood slabs. Ouais, là il va falloir faire plein de wood slabs et tout. Du coup, heureusement que j'ai coupé pas mal de bois. On va faire pas mal de wood slabs. Je pense que c'est assez intéressant de faire ça. Donc on va faire chaise, coffre on en refera. J'ai vu qu'on pouvait faire des coffres encore mieux. Regardez, attendez, voilà, des stone chests. Donc on va pouvoir mettre plus d'items à l'intérieur. Et puis c'est plus solide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des bibliothèques, alors pour ça pareil, des wood slabs, donc c'est bon. Wood planter, ah oh, on va pouvoir mettre des plantes à l'intérieur avec de la terre. Ouais, c'est un pot de fleurs. On va pouvoir faire ça, les barrières évidemment. Ce sera pour pour le petit jardin là, pour le la terrasse comme je l'ai appelé. On va faire passer la nuit là parce que sinon on verra pas grand chose. Et puis on va pouvoir aménager tout ça. Hop. Voilà, récupère-moi tout ça, régale-moi. Attends, on va se faire plaisir avec pas mal de wood slab et quelques wood rod tant qu'on y est. Allez, on va commencer par ça. Non, on va commencer par la chaise. Et est-ce qu'on peut crafter? Ouais, on peut crafter tout de suite une table. Qu'est-ce qu'on peut crafter tout de suite? Non. Cold torche, oui, on peut faire des torches en charbon là pour le moment, c'est pas la peine. Écoutez, on va déjà voir un peu comment on va aménager la maison. Comment on va aménager la maison? Alors, sachant que donc l'entrée elle est ici, hein, sachez-le, du coup la vraie entrée elle sera là, là où je rentre actuellement, ici ce sera fermé, on mettra des barrières. Donc on rentre par là, et moi j'avais vraiment comme idée sur ce mur là, il y ait tous les trucs plus ou moins importants, en gros. Genre tout ce qui est coffre, processeur, etc. Du coup, tout ce qui est déco, ce sera ici, là, face à la... Du coup, tu vois, donc là, on va mettre une table. On va même mettre une grande table. Donc, on va en crafter deux. Avec une chaise ici. Et on mettra une autre chaise ici, d'accord? Ouais. Ça, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, on peut s'asseoir sur les chaises. Hein. Bon, c'est un peu disproportionné. Du coup, on va faire ça. Je vais monter le processeur. Hein. Je vais tout monter en haut. Hein, parce que ça m'énerve de faire des allers-retours. Hop. Donc, on refait, par contre... Non, c'est pas ici. On refait une table. On refait une chaise. On peut faire des bibliothèques. Ça m'a débloqué des nouveaux crafts, il me semble. On peut faire une wood trap door, d'accord. On peut faire déjà... On va commencer à en faire. Des petits portillons. On va refaire des portillons.
Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Ouais, bah il faut. Ah, il faut du miel aussi. Bon. Bah attendez, le miel, on en a. Attendez, il suffit. Juste. Où c'est que j'ai du miel? Là-dedans, j'en ai, il me semble. Voilà. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. J'ai encore du. Oh là, j'ai du mal avec l'inventaire. Ça y est, je fais n'importe quoi. C'est ça que je veux. Et je veux mettre. Mais non. Ah, mais c'est dans le forge. Excusez-moi. Voilà. Fais-moi du miel. Récupère-moi ça. Voilà. On va récupérer. Ah, je peux pas, je suis fou. Alors attendez, on va mettre dans ce coffre. On va récupérer des trucs. Ça, je vais laisser chauffer. Et on va monter tranquillement un petit peu tout ça. Du coup, attendez. Donc la table. Hop. Et la chaise. Est-ce que c'est pas romantique là, regardez? Est-ce que c'est pas un cadre romantique, sans déconner? On se met là. Voilà, face à ta copine. Bon, elle est un peu grande la table hein, quand même, hein, si je puis me permettre. Les barrières. On va commencer un peu à délimiter le terrain, écoutez. Déjà, évidemment. Alors attendez, on va un peu venir par là. Là, ici. Alors, j'aimerais pas trop dénaturer. Donc, on va pas terraformer. Et on va vraiment boucher ici comme ça, vous voyez? Non. Comme ça. Pas sur la feuille, c'est pas réaliste. Voilà. Petit truc comme ça. J'ai encore une barrière. Donc vous voyez un peu le délire. Et voilà, comme ça on a un petit coin sympathique. Bon, je suis sûr qu'on peut mettre des transats ou des trucs comme ça, c'est obligé hein. En vrai je suis sûr, il y a plein de crafts comme ça assez sympa à faire. Ouais, donc pour le moment on va le mettre là. C'est quoi, c'est le processeur. Hop, on peut passer par dessus les barrières, ça je savais pas. Voilà, c'est bon à savoir, écoutez. Ça, on peut récupérer. Mais non, mon inventaire est plein, mais c'est un truc de fou. Je peux même pas me vider. Comment je peux faire maintenant? Je suis bloqué. Bon bah je crois que j'ai pas le choix, faut que je crafte un nouveau coffre. Et pour ça il me faut des vignes. Et pour faire des vignes, comment on fait des vignes? Alors là, les potes, je sais plus comment on fait des vignes. Ah si, mais non, bah il faut en chercher des vignes, il me semble. Oh, ça me fait chier. Bon, faut chercher des vignes, hein, les amis, y a pas le choix. Faut qu'on se refasse un nouveau coffre. Ah non, non, je sais comment faire, pardon, excusez-moi, je viens de penser un truc. Normalement, on peut jeter les items par terre, temporairement. Donc ça va nous aider. Ouais, ouais, excusez-moi, j'avais oublié ce détail. Donc ce qu'on va faire. Je sais pas si c'est risqué. Mais, voilà, on va tout jeter par terre. On récupérera après, d'accord. Voilà. On jette tout. Là c'est pareil. Ah bah attendez, je peux faire comme ça. Ah non non non, je veux pas destroy. Non non non, c'est pas la même chose. Attendez, on faut pas tout confondre. Il y a jeter par terre et destroy, c'est pas pareil. Ah, attendez, voilà. On jette par terre. Ça va nous permettre de monter le coffre, vous allez voir. C'est un peu long à faire, je suis sûr qu'il y a une technique pour aller plus vite. Mais je sais pas comment faire. Peut-être comme ça. Non, je sais pas comment ça fonctionne. J'espère juste que le stuff va pas disparaître. Est-ce qu'il y a encore? Ouais, il y a encore pas mal de trucs. Mon inventaire est full. Je peux pas récupérer ça. Voilà. Et là maintenant je peux récupérer le coffre. Non, parce que mon inventaire est full. Donc attendez, on va aussi jeter encore des trucs. On va y arriver les amis, faites-moi confiance. On va y arriver. Ça devrait suffire. Voilà, on va récupérer tout ça. Ça je peux même pas encore récupérer, mais c'est pas grave. On va déjà vite mettre le coffre en haut. Alors on va juste le mettre à un endroit où on est sûr que c'est une bonne idée. Bah écoutez, on va mettre les coffres là. En vrai les coffres ici c'est bien. Et donc là on va vite tout mettre à l'intérieur n'importe comment. Histoire de se faire de la place. Ah ça je garde sur moi. Voilà, on met tout un petit peu à l'intérieur. Je vais garder quand même sur moi le bois évidemment, très important. Et puis je vais aller récupérer le reste en bas. Hop, est-ce que les sacs sont encore là? Ils sont encore là. Ça je peux récupérer. Je vais faire monter ça aussi. Hop, on va mettre la forge en attendant à côté. Ça c'est pas dramatique. Et on va tout ranger dans le coffre. Bah voilà, c'est bon. Maintenant on va pouvoir récupérer ce qui nous reste en bas. Bon là du coup on fait pas mal d'aller-retour. C'est un peu terrible, c'est vrai que c'était pas prévu. Mais bon. Ah, pourquoi je peux pas tout récupérer? Ah mais si en fait. Ça prend juste, c'est un par un à chaque fois. Voilà. Allez. Et ben voilà. C'est bon, on a tout récupéré. Hop. Ça, c'est fait. On va juste reboucher ce trou du coup. Hein, pour pas que des monstres spawnent quand même. Ce serait dommage, juste en dessous de notre maison.
Voilà, on n'a rien vu. Oh, des graines, enfin des weeds, je sais pas c'est quoi. Voilà, et puis on va récupérer d'ailleurs le téléporteur, enfin la plaque. Voilà, on n'a plus rien à faire maintenant en dessous et c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et d'ailleurs le téléporteur, enfin la plaque de téléportation, regardez où c'est qu'on va le mettre, juste devant l'entrée, je pense que c'est une bonne idée. Voilà. Ok, ça c'est fait. Bon, le lit, temporairement je le place ici, mais évidemment ce sera dans les sous-sols. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble les lampes rouges là. Attendez, je les ai mis là. Attention, on va voir un peu. Waouh, ah ouais, ça éclaire vraiment rouge. Hein. C'est impressionnant. Bon, on verra comment on fera. Je m'en occuperai en off, les amis. Je m'en occuperai en off. J'ai quand même envie de commencer maintenant l'escalier, histoire de vous montrer un peu le délire. Mais l'escalier, ce serait dans quel sens? Ce serait direct à l'entrée ou... Ce serait dans quel sens qu'on descendrait? Ouais, plus... ça me paraît logique de descendre comme ça. Ouais. On va descendre comme ça. Le but du jeu, c'est pas que ce soit profond. Voilà, juste ce qu'il faut. Voilà, à cette hauteur-là. On va juste mettre des torches. Ouais, j'en ai sur moi. Donc en gros, c'est simple. On va juste être en dessous de la base. Et en fait, on va faire une chambre. On va aménager une salle, en fait, sous terre. Mais ça fera pas comme si c'était sous terre. Ça va être vraiment très beau. Vraiment très bien, quoi. J'ai hâte, parce qu'en fait j'ai vraiment mon idée en tête, je sais à quoi ça va ressembler, quoi qu'il arrive, je sais à quoi ça va ressembler, et j'ai vraiment trop hâte que ce soit fait, et en tout cas dans le prochain épisode ce sera fait, ce sera terminé, je vous montrerai, et j'ai vraiment très hâte. Voilà, donc on va pas faire ça maintenant, mais c'est juste que pour que vous ayez une idée que, en gros, là il y aura un sous-sol, là je mettrai des escaliers, et puis voilà. Alors les bibliothèques, où c'est qu'on pourrait mettre ça? Ça ressemble à quoi d'ailleurs? Ah, on peut interagir avec. Ah, on peut mettre à l'intérieur. Ah, c'est un coffre en fait. Excellent. En fait c'est un coffre. Eh ben je savais pas ça. Eh ben ça c'est bon à savoir. C'est comme un coffre en fait. Eh ben c'est nickel. Du coup ouais, du coup je l'ai placé là, j'aurais pas dû. Parce que du coup il faut que je récupère tout de nouveau comme un con. On va placer ça à un meilleur endroit. J'aimerais bien l'incruster dans un mur. J'aimerais bien l'incruster dans un mur, ça serait vraiment cool. Mais ouais, je sais pas où. Alors je pense que je le ferai en sous-sol ou alors là. En vrai ici ça peut être sympa. Je vais les rotationner, attendez. Comme ça. Je préfère. Non, je sais pas. Est-ce que je suis un peu chiant? Ouais. Bon, on verra, peut-être que ce sera dans le sous-sol. Ça dépendra de comment je vais aménager. Ce qui est sûr, c'est que on a d'autres crafts à faire. Non, ça s'est pas débloqué. Ah, ça j'ai envie de faire ça maintenant. Il refaut des wood slabs pour ça. Alors attendez, les wood slabs, c'est mon dada. C'est parti, on va en faire. J'ai envie de faire un pot de fleurs, voir à quoi ça ressemble. Là vraiment je... j'ai vraiment hâte de voir à quoi ça peut ressembler un pot de fleurs, si on peut vraiment mettre des fleurs dedans, parce qu'en plus j'en ai là, regardez dans mon inventaire. Tundra Flower. Ah ça y est, moment de vérité, non il m'en faut encore. Faut encore la dernière ici et puis on sera bon. Moment de vérité les amis. Voilà, c'est fait. Alors on en a 4 en plus. Alors attendez, je vais mettre un en intérieur ici. Waouh, on peut interagir aussi. D'accord, donc là il faut que je mette une fleur dedans. Ah mais je peux pas en fait, il me propose rien, d'accord, donc faut avoir un certain truc, enfin une certaine fleur, je ne sais pas quoi, mais voilà, d'accord, bah c'est nul alors, hein. Franchement ça ressemble plus à une poubelle qu'autre chose, hein, si je puis me permettre. Bon bah voilà, bah c'est pas grave, au moins on saura, écoutez on va en, hey. Si on fait ça, hop, voilà, on va faire des trucs sympas. Ah c'est dommage, j'aurais bien aimé que ça se relie ensemble en fait, bon c'est pas grave. En gros, vous comprendrez bien, ici on va mettre des plantes. C'est quelque chose qui est assez courant, hein, de planter des pots sous terre. C'est plus pratique, voilà, je tenais à vous le dire. Bref, du coup, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Moi, en off, je vais me concentrer tranquillement pour aménager au mieux la maison. Et surtout, évidemment, la chambre en bas qui va être magnifique, je l'espère. Dans le prochain épisode, on partira miner, on partira à l'aventure, prendre un maximum de matériaux qui vont nous permettre... encore d'améliorer la maison, donc pouvoir avoir des LED, avoir, faire plein de trucs, parce que regardez par exemple, on peut pas tout faire, hein. Si on va par exemple, alors regardez, je vais vous montrer vite fait un petit peu mes objectifs, mais moi j'aimerais bien, déjà une armure, pourquoi pas, non, ce que j'aimerais vraiment c'est le wiring tool, ça va nous permettre, voilà, de créer des connexions, donc c'est comme la redstone sur Minecraft. J'aimerais également un plow, donc une pelle, pour pouvoir par la suite faire des plantations, et pour ça il faut de l'obsidienne. J'aimerais bien aussi, alors ça on peut faire, ah oh, bah on va le crafter direct, hop, on verra ça plus tard. Ça va nous permettre d'apprivoiser des animaux,
Voilà, on va pouvoir apprivoiser des animaux avec ce truc là. Tamingola. Impeccable, bah nickel, je savais pas qu'on pouvait le crafter. Voilà, qu'est-ce qu'on pourra faire aussi? Bah ça va débloquer des nouveaux crafts hein, en fonction de ce qu'on va découvrir. Mais voilà, les LED. Les LED, on peut déjà en crafter, nickel. Donc je vais pouvoir en faire. Peut-être que je vais miner en off un petit peu du charbon dans des zones safe, à voir. Je pense que je vais un petit peu m'avancer en off. C'est comme ça que je vais faire, donc le prochain épisode sortira pas pour tout de suite. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais voilà, au moins je vais un petit peu avancer en off tranquillement. Et puis je vous retrouverai dans le prochain épisode avec pas mal de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Regardez, j'avais pas vu. Picture frame. Regardez, attendez, on va le crafter vite fait pour cette fin d'épisode. Et on va le placer, les amis. Il est où le picture frame? Il est... Bah, il est où? Je l'ai perdu. Ça, il est là, il est dans mon inventaire. On va le placer temporairement ici. Waouh! Oh, c'est beau. Et on peut choisir l'image, c'est ça? Ah ouais! D'accord, on peut choisir une image. Non, mais il y en a tout plein en plus, d'accord. En fait, ça charge à chaque fois. Il y a une infinité d'images. Eh ben écoutez, on va prendre... Bah, voilà, quand on me donne trop de choix... Ah ouais, ça, nickel. Oh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Bref, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, encouragez-moi avec le maximum de pouces bleus. Et puis on se retrouve très, très prochainement quand même, hein, pour le prochain épisode, parce que je suis au taquet. C'était Mkolo, ciao tout le monde.